IFRS 16 ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle réglementation qui pourrait aussi s'appliquer à ton entreprise. Vous financez également vos investissements par la location, n'est-ce pas ? Oui, je fais appel à la location. Pourquoi ? IFRS 16 est la nouvelle norme pour la comptabilisation des contrats de location. Cette norme sera obligatoire pour les entreprises qui appliquent l'IFRS ou qui sont cotées en bourse. Et de quoi s'agit-il exactement ? Cette norme définit la manière dont un contrat de location sera comptabilisé. Et comment ça marche ? Jusqu'à présent, selon la norme IFRS, les contrats de location étaient classés en deux types différents. Dans le cas des contrats de location-financement, un équipement ainsi qu'une dette financière étaient inscrits au bilan. Dans le cas des contrats de location simple, seul le montant des loyers était comptabilisé dans le compte de résultat. Ainsi, la location simple n'impacte pas le bilan. À compter de janvier 2019, il n'y aura plus de distinction entre la location financement et la location simple du point de vue des locataires. Tous les contrats de location seront inscrits au bilan par la comptabilisation d'un droit d'utilisation à l'actif et d'une dette financière au passif. Ainsi, tous les contrats de location apparaîtront au bilan. Ok, il serait ainsi plus facile de comparer les résultats financiers des différentes entreprises. Exactement, tu gères ton entreprise et ses finances comme avant. Les nouveaux règlements s'appliquent-ils à tous les contrats de location ? Non, il y a deux exceptions. Si la valeur de l'actif loué est inférieure à 5 000 $ américains, ou si la période de location ne dépasse pas 12 mois. Dans ces deux cas-là, la norme IFRS 16 ne s'applique pas au contrat. Il est plus prudent de clarifier ce point avec ton conseiller fiscal ou auditeur. Je l'ai déjà fait. Ah, ok, je vais vérifier. Tu verras, bien que même si l'IFRS 16 modifie la façon dont la location est comptabilisée, elle reste avantageuse. Simple, rapide, personnelle. Grenke, votre partenaire financier.